Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Vers de Terre Production s'engage pour la transition agroécologique. Merci de m'avoir invité, Olivier Husson, à cette journée. Je suis un convaincu de la transversalité dans le domaine de la recherche. Alors nous, on a commencé quand même une partie de ce travail transversal en travaillant beaucoup avec les vétérinaires et les chercheurs vétérinaires et l'INRA. Et pour rebondir sur les vaches, dont il a été question longuement il y a quelques instants, on a dans notre histoire bilanté pratiquement tous les animaux de rente avec l'INRA et ces gens-là. Et vous savez, les animaux de rente sont les animaux dont on boulotte quelque chose un jour. Et donc, on a bilanté des vaches, des cochons, des truies, des porcelets, des lapins, des poulets, des poussins, etc. Et en fait, en résumé, chez ces animaux, on note des périodes de stress oxydant extrêmement importantes à trois étapes de leur vie. La première étape, c'est le moment de la gestation, la fin de la gestation, en particulier chez les vaches gestantes et les truies, pour des raisons assez simples. Il y en a deux. La première, parce qu'il y a des phénomènes d'ischémie, reperfusion au niveau du placenta en fin de gestation, qui sont des modèles expérimentaux de stress oxydant, mais aussi parce que pour préparer le nouveau-né, parce qu'on a la même chose en médecine humaine, à ce choc qui va être la première bouffée d'oxygène au moment où on coupe le cordon, il faut que l'animal ou le bébé soit bardé d'antioxydants. Et qui amène les antioxydants au bébé à sa naissance? C'est la maman, bien sûr. Et ces animaux-là sont complètement en déplétion d'un grand nombre de nutriments, en particulier antioxydants, au dernier mois de la gestation. Et ces phénomènes-là qui ont bien été décrits dans la littérature vétérinaire, on les a retrouvés il n'y a pas très longtemps dans la grossesse en santé humaine, où dans au cours du dernier mois, on a exactement le même phénomène, mais personne ne s'y intéresse. Et pourtant, ça doit expliquer en partie un certain nombre de situations du postpartum particulièrement délicates, avec des états de fatigue physique et psychologique. Et on devrait bien s'intéresser à ce phénomène. Mais on n'a toujours pas trouvé les crédits pour faire une petite étude qui nous permettrait systématiquement de bilanter au 8e mois les femmes enceintes. Bon, ça c'est une petite parenthèse. J'aurais pu intituler ma présentation « L'oxygène, Dr. Jekyll et Mr. Hyde » ou « Le paradoxe de l'oxygène » puisque, évidemment, l'oxygène est indispensable pour nous, pour notre vie, mais il a aussi sa propre toxicité. J'ai préféré être beaucoup plus positif et vous parler du miracle de la vie. Ce miracle-là, il faut l'entendre au sens mathématique de la définition du miracle, c'est-à-dire un événement dont la probabilité qu'il survienne est proche de zéro. Et c'est vrai que notre présence à nous ici est un véritable miracle, et même une succession de miracles, et je vais vous en donner quelques exemples. Alors, je vais essayer d'aller dans le bon sens. Voilà. Alors, évidemment, comme je suis un des derniers à prendre la parole, et n'ayant pas eu connaissance des présentations de mes collègues, un certain nombre de choses vont être redondantes, donc je passerai très vite dessus, mais je ne garderai de ces propos qui ont déjà été tenus dans la journée que ce qui va me permettre d'avoir une présentation pour vous extrêmement pragmatique et pour vous dire en gros ce qu'on pense aujourd'hui en médecine humaine du stress oxydant ou stress oxydatif, c'est la même chose, et surtout de répondre à des questions que j'ai entendues tout à l'heure, qui est tout à fait légitime. Mais si, est-ce que j'ai un stress oxydatif, moi, ou vous, est-ce que vous avez un stress oxydatif? Comment le savoir et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors oui, on peut le savoir. On a une biologie maintenant qui est validée et qui nous permet vraiment très exactement de définir l'état de stress oxydant d'un patient. Et surtout, maintenant, on sait que, parce qu'on l'a publié, qu'on corrige ces états de stress oxydant dans 90% des cas, quelles que soient les causes, qui sont d'ailleurs multiples, mais qui ont amené ces états de stress oxydant. La grande question qui se pose pour nous, médecins, c'est de savoir si la correction des bilans de stress oxydant
qui est donc quasiment systématique, aboutit à une amélioration de l'état de santé? C'est une question fondamentale. Alors évidemment, on a un certain nombre d'éléments de réponse, mais il nous manque en fait encore beaucoup d'études cliniques pour comparer deux groupes dans chaque situation pathologique où on corrigerait la moitié du groupe et l'autre avec un placebo et voir si le groupe corrigé, évidemment, avec une intervention quelle qu'elle soit, avec des antioxydants par exemple, si ce groupe-là se comporte mieux que le groupe placebo. Alors on a, vous verrez, je vous montrerai une étude. Alors je suis très content de vous la montrer parce qu'en plus elle a été faite à Montpellier, donc chez vous, dans l'équipe du professeur Jacques Mercier au CHU de Montpellier. Alors là, je vais aller très très vite, mais vous avez bien compris ce matin que, en fait, la vie est arrivée sur la Terre avant l'oxygène. Donc en fait, la vie au départ était anaérobie. Anaérobie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'avait pas besoin d'oxygène, mais non, en plus, pour la plupart du temps, pour toutes ces vies anaérobiques, l'oxygène est un poison hyper toxique, voire létal. C'est la raison pour laquelle, effectivement, la plupart de nos germes dans notre microbiote intestinal sont anaérobiques et meurent dès qu'ils sont en présence d'oxygène. C'est pour ça que c'est très difficile de faire un diagnostic de microbiote, parce que dès qu'on fait un examen de sel et qu'on sort les bactéries du milieu intestinal, elles sont confrontées à l'oxygène, elles meurent. Et donc, on est obligé de passer par de la métagénomique pour pouvoir faire des diagnostics de notre microbiote, ce qui est possible aujourd'hui. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose, et c'est pour ça que je parle de miracle. D'assez étonnant, c'est que on pense. Vous voyez, même la machine est fatiguée. Ah, même très fatiguée, hein, je crois que. Ah, voilà. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, en fait, c'était pratiquement un enfer, hein, la Terre, il y a 4 milliards d'années, et elle était bombardée de tas de choses, enfin, c'était absolument horrible, il n'y avait évidemment pas d'oxygène, et puis il s'est mis à pleuvoir pendant quelques millions d'années, et cette pluie a permis de créer des océans primitifs. Et on pense que la vie est née dans ces océans primitifs, sous la forme de bactéries rudimentaires. Ces bactéries rudimentaires, ben, se sont nourries de nutriments qu'il y avait dans les océans. Très vite, il y a eu une pénurie et la vie a failli s'arrêter là. Et là, ces bactéries ont inventé un truc extraordinaire. Elles ont commencé à puiser de l'énergie dans ce qu'il y avait dans le cosmos. Et en fait, elles ont inventé la photosynthèse. Et en inventant la photosynthèse, elles ont libéré dans leur environnement, dans les océans, eh bien, de l'oxygène qui a failli à nouveau éteindre cette vie débutante. Et il a fallu que ces bactéries se dotent en fait de systèmes antioxydants particulièrement puissants pour pouvoir vivre avec l'oxygène qu'elles produisaient. Et pendant ce temps-là, les premières cellules sont apparues, et ces cellules, elles, n'avaient pas eu le temps de développer cet arsenal antioxydant. Et là, il s'est passé un vrai miracle, c'est que ces cellules ont phagocyté ces bactéries rudimentaires, non pas pour les boulotter, pour une fois, mais pour, en fait, faire un deal donnant-donnant. Les cellules offraient aux bactéries le gîte et le couvert, et les bactéries apportaient à la cellule leur arsenal antioxydant, et ainsi les cellules ont pu se développer dans les océans qui étaient de plus en plus concentrés en oxygène et donc ne pas mourir de la toxicité de cet oxygène. Eh bien, figurez-vous que ces bactéries existent toujours dans nos cellules quelques milliards d'années plus tard, et on voit là une photo en microscopie électronique, ce sont nos mitochondries. Nos mitochondries sont en fait le résultat de ces bactéries ancestrales qui ont évolué au cours de la vie et qui nous permettent aujourd'hui en fait d'utiliser l'oxygène comme comburant. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ces bactéries, ces mitochondries ressemblent à des bactéries, qu'elles ont leur propre ADN, qui est très différent de l'ADN de nos noyaux cellulaires, et en plus, elles se divisent comme des cellules. Ce qui fait que nous n'avons pas tous les mêmes nombres de cellules, de mitochondries par cellule. Les sportifs de haut niveau, par exemple, ont beaucoup plus de mitochondries que nous, sédentaires. Car, comme vous l'avez compris, je ne suis pas un sportif de haut niveau. Alors, c'est la seule, vraiment, je suis désolé, mais c'est la seule diapo un peu indigeste que je vais vous présenter. Mais elle est fondamentale
pour vous comprendre pourquoi l'oxygène a été si important. C'est ça, en fait, ce sont ces deux lignes-là qui sont importantes. Avant que l'oxygène n'arrive, quand la vie était anaérobie, avec un glucose, on faisait deux molécules d'ATP, adénosine triphosphate. Et comme vous l'avez vu ce matin, c'est cette molécule d'ATP qui est notre réservoir d'énergie. C'est avec ça que nous allons tout faire fonctionner. Le cœur, nos muscles, notre cerveau, notre digestion, etc. Et lorsque l'oxygène est arrivé, et c'est la ligne d'en dessous ici, avec la même molécule de glucose et l'oxygène, on est passé de 2 à 36 ATP, c'est-à-dire qu'on a multiplié le rendement énergétique de la cellule et des mitochondries pratiquement par 20. Et s'il n'y avait pas eu cela, eh bien, il n'y aurait pas eu de grands mammifères comme nous sommes. Pour développer des machines énergétiques aussi sophistiquées que nous sommes, eh bien, il fallait un comburant absolument extraordinaire. Et c'est ce qui a apporté l'oxygène. S'il n'y avait pas eu d'oxygène, eh bien, nous ressemblerions à ça aujourd'hui. C'est ce que j'aurais devant moi comme persistance. Et là, finalement, grâce à l'oxygène, on est arrivé quand même à des mammifères un peu plus costauds. Et là, la vie s'est dit, chouette, j'ai quand même réussi à faire une grosse bestiole, mais sur le plan esthétique, on peut peut-être faire mieux. Et là, la vie a fait un gros effort et elle a fait ça. Et ce qui, sur le plan esthétique, était déjà quand même un peu mieux. Mais la vie n'était pas tout à fait satisfaite parce qu'elle s'est dit finalement, ce mammifère-là va devoir prendre quand même le haut de la pyramide. D'ailleurs, il s'en est pas privé. Et aujourd'hui, il le fait d'ailleurs avec parfois une certaine arrogance et même parfois un certain mépris de ce qu'il y a en dessous. Ça, c'est une autre histoire. Et là, la vie s'est dit, mais en plus, ce serait bien si je le rendais intelligent. Et là, elle a fait ça, elle a inventé ça. Alors, vous avez reconnu, en fait, sûrement, c'est un oméga-3, c'est-à-dire c'est un acide gras polyinsaturé. Acide gras polyinsaturé, c'est-à-dire c'est un lipide. Peu saturé, ça veut dire qu'il y a peu d'atomes et beaucoup de liaisons entre les atomes. C'est un petit peu, si vous voulez, comme un collier de perles où il y aurait très peu de perles et beaucoup de ficelles. Donc, les perles étant les atomes, les ficelles, les liaisons entre les atomes. Et un acide gras saturé, comme le Saindoux par exemple, eh bien c'est l'inverse. Il y a beaucoup de perles et très peu de ficelles, ce qui fait que le collier de perles du Saindoux est un collier très serré, alors que l'autre est un collier très très souple. Et c'est la différence qu'il y a entre le Saindoux et l'huile de colza, par exemple, qui est très fluide. Et ces acides gras polyinsaturés, en fait, ont permis, parce qu'en fait, ils ont colonisé nos membranes cellulaires, qui sont très riches en acides gras polyinsaturés et en oméga-3, de donner une certaine souplesse à nos cellules. Et en particulier de pouvoir développer les neurones et toutes les connexions. Vous savez qu'un neurone peut envoyer 10 000 connexions à un autre neurone et aussi, en fait, soutenir une chose essentielle dans le développement cérébral qui s'appelle la plasticité neuronale. Et c'est d'ailleurs une grande différence qui nous sépare de la tortue dont vous avez vu tout à l'heure le physique et nous, c'est que les tortues de mer et les éléphants, par exemple, ont des membranes cellulaires bourrées d'acides gras saturés, c'est-à-dire de Saindoux. Alors que nous avons du colza, en gros, dans nos membranes cellulaires. Alors évidemment, la grande différence, c'est que, on le verra un petit peu tout à l'heure, mais rapidement, c'est que plus un lipide est insaturé, et plus il est oxydable. C'est la raison pour laquelle l'huile de colza doit être achetée en bouteille opaque et gardée au frais. Sinon, les oméga-3 qui sont dans le colza, dans l'huile de colza, vont très très vite s'oxyder, c'est-à-dire rancir. Et à l'inverse, les acides gras saturés, eux, sont très peu sensibles aux attaques des radicaux libres et donc sont très peu oxydables. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il n'y avait pas de frigidaire, nos grands-mères et arrière-grand-mères qui n'avaient pas de frigidaire utilisaient du Saindoux qu'elles pouvaient garder longtemps. Essayer de garder une boîte de margarine enrichie en oméga-3 ou du beurre de 2 jours en dehors du frigidaire, vous n'allez pas être déçu. Vous allez très vite avoir des produits très rances, donc oxydés.
Et donc, pour ces animaux-là qui ont des acides gras saturés dans leur membrane cellulaire, ces acides gras saturés leur font une espèce de bouclier protecteur. Et donc, ça protège leurs cellules des attaques radicalaires. C'est la raison pour laquelle ils vivent longtemps. Mais ils ne sont pas forcément réputés pour leur agilité, et en particulier leur agilité d'esprit. Et nous, grâce aux oméga-3, eh bien, on a réussi à avoir à faire parler des grands mammifères, mais en plus des grands mammifères intelligents. Et donc, la nature était très très contente parce qu'elle a réussi à faire ça. Donc, en plus, avec un stéthoscope autour du cou, il a l'air encore plus intelligent. Bon, ce n'est pas une garantie non plus. Et pour vraiment des soucis de parité, je vous ai quand même mis cette diapositive-là, que je ne voudrais pas être poursuivi pour une entorse à la parité. Alors, tout ceci pour vous dire que malheureusement, quand on met face à face ce truc-là, qui est de l'oxygène, dioxygène, donc la molécule la plus oxydante de l'univers, et en face, en fait, la molécule la plus oxydable de l'univers, qui sont dans nos membranes cellulaires, ben vous avez toute la problématique du stress oxydant. C'est-à-dire qu'on va payer le prix fort à la toxicité de l'oxygène, puisque la plupart des radicaux libres qui vont aller attaquer ce truc-là viennent du métabolisme de l'oxygène dans nos mitochondries. Et qu'est-ce qui se passe dans nos mitochondries? Eh bien, en fait, et c'est comme ça que Alors, je vais être un peu plus pragmatique, si vous voulez, parce que là, on a eu vraiment des concepts très compliqués tout au long de la journée sur l'histoire redox. En fait, nous, on parle de stress oxydant, stress oxydatif. Et évidemment, le mot stress dans stress oxydant n'a rien à voir avec le stress psychosocial ou psychosocio-professionnel que vous connaissez tous. Mais ça signifie une attaque chimique, en fait, un stress chimique des molécules essentielles de notre organisme. C'est-à-dire que ça va attaquer d'abord, évidemment, les acides gras polyinsaturés dont je viens de parler en les oxydant, donc en les dénaturant, mais ça va aussi dénaturer des protéines, ça va dénaturer l'ADN, ça va dénaturer nos membranes cellulaires jusqu'à la mort cellulaire. Ça peut être extrêmement violent comme attaque. Et en fait, cette attaque, elle est due à une chasse à l'électron, car dans nos mitochondries, il va se passer ça. Je vais aller assez vite, mais vous allez voir, c'est facile à comprendre. L'oxygène est un comburant extraordinaire parce qu'il est ce qu'on appelle un accepteur d'électrons. Or, pour aller jusqu'à la synthèse de l'ATP en bout de chaîne de la mitochondrie, il faut que l'oxygène capte 4 électrons et emmagasine donc de l'énergie pour synthétiser, en fin de compte, une molécule d'ATP. Et quand ensuite nous aurons besoin d'énergie, nous allons reprendre cette molécule d'ATP, la transformer en ADP et récupérer l'énergie dans cette transformation pour faire marcher la machine. Eh bien, le problème, c'est que cette molécule de dioxygène ne peut pas prendre les 4 électrons d'un seul coup. Elle va le faire un par un. Et en le faisant un par un, il va se passer ceci. L'oxygène plus un électron, ça donne ce truc-là. Vous voyez peut-être pas de loin, mais c'est O2 avec un petit rond en haut à droite. Le petit rond en haut à droite, ça veut dire radical de l'oxygène. Un radical, c'est une molécule, enfin pardon, c'est un atome, voire une molécule, mais un atome qui a perdu un électron en périphérie. Or, dans tous les atomes de l'univers, les électrons sont appariés, c'est-à-dire qu'ils sont par paire sur la dernière couche électronique. Et en fait, ce couple d'électrons permet une stabilité chimique du système. S'il y a un électron célibataire, alors la molécule devient extrêmement agressive et n'a de cesse que d'aller récupérer un électron quelque part pour retrouver sa parité. Et c'est pour cela que toutes ces molécules à qui manque un électron en périphérie vont être extrêmement agressives et attaquer une molécule voisine. Cette molécule voisine va perdre un électron, va chercher à son tour un électron sur une autre molécule, et on a ainsi des réactions en chaîne terribles qui peuvent détricoter complètement une membrane cellulaire, uniquement comme un peu un vampire quand il mord ou suce une victime, la victime devient vampire elle-même. Eh bien, un radical libre qui attaque une molécule crée un nouveau radical libre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On appelle ça donc des chaînes radicalaires. Et c'est exactement ce qui se passe. Et là, ici, oh, pardon.
Pardon. Voilà. La première réaction qui se passe ici donne donc lieu à une première forme de l'oxygène radicalaire qui s'appelle l'anion superoxyde. L'anion superoxyde, comme son nom l'indique, c'est un anion qui va superoxyder quelque chose, c'est-à-dire qui va superpiquer un électron à une autre molécule. Il va agresser une autre molécule. Comme la nature est très bien faite, elle a mis à notre disposition des antioxydants absolument extraordinaires qui s'appellent les superoxydes dismutases. Et comme dans le nom superoxyde dismutase, vous avez super dismutation, c'est-à-dire pour répondre au super, à l'anion superoxyde, on va avoir une molécule qui va super dismuter cet anion superoxyde. Autrement dit, qui va l'annihiler très rapidement, parce que sinon, ce truc-là va être extrêmement toxique pour la cellule et la mitochondrie. Et avec cette superoxyde dismutase, on va avoir ici un produit intermédiaire qui a l'air comme ça assez inoffensif parce qu'il n'y a plus le petit rond en haut à droite, contrairement à celui-là. Je ne sais pas si vous le voyez. Et vous voyez que ça s'appelle H2O2. Et si vous décomposez H2O2, vous avez H2O, l'eau, plus un oxygène. Donc de l'eau plus de l'oxygène. Ça s'appelle l'eau oxygénée. Enfin, l'homme n'a rien inventé, la nature a tout fait avant, et en fait, nous produisons de l'eau oxygénée en permanence dans nos mitochondries grâce au superoxyde dismutase. Le drame de cette histoire-là, parce que tout pourrait s'arrêter là et on serait tranquille, on ne parlait pas de stress oxydant ce soir, c'est simplement que ce produit-là est extrêmement instable et va réagir extrêmement vite avec un fer ou un cuivre. C'est-à-dire un métal de transition. Cette réaction s'appelle la réaction de Fenton et c'est elle qui va donner le vrai killer oxydant de l'organisme qui s'appelle OH point en haut à droite, c'est-à-dire le radical hydroxyle et c'est lui qui va détricoter les membranes cellulaires jusqu'à la mort cellulaire. C'est vraiment le véritable drame. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que je vous ai laissé cette diapo. Ça veut dire qu'il n'y a pas de stress oxydant sans intervention du fer ou du cuivre dans l'organisme. C'est la raison pour laquelle le fer libre est extrêmement toxique pour l'organisme. Et dès que le fer libre augmente dans l'organisme, l'organisme tout de suite met en place des systèmes de protection et en particulier synthétise de la ferritine, protéine vectrice du fer. Et une fois que le fer est séquestré dans la ferritine, il n'est plus toxique. C'est la raison pour laquelle les taux de ferritine élevés sont aussi des marqueurs indirects de stress oxydant, parce que c'est une des façons de l'organisme de se protéger de la toxicité du fer dans cette réaction de Fenton. Voilà, je crois que j'en ai fini pour la biochimie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, que vous avez bien compris, c'est une chasse en fait d'électrons en électrons. À chaque fois qu'une molécule ou un atome va perdre un électron en périphérie, eh bien, il devient à son tour radicalaire et donc toxique. Et ça se passe exactement même pour les vitamines antioxydantes. Vous savez qu'il y a des vitamines antioxydantes classiques, hein, comme la vitamine C, la vitamine A ou la vitamine E. Mais si on prend la vitamine E, par exemple, qui s'appelle tocophérol, en fait, il y a 8 sortes de tocophérol différentes, mais qu'importe, eh bien, cette vitamine E, elle est liposoluble, donc elle est dans mon membrane cellulaire et elle protège nos oméga-3, nos acides gras polyinsaturés, de l'attaque des radicaux libres de l'oxygène. Mais le problème, c'est que pour défendre la membrane cellulaire, cette vitamine E va prendre le radical libre à sa charge et donc va s'oxyder à son tour, puisqu'elle va perdre un électron, puisqu'elle va donner un électron au radical libre. Et à ce moment-là, le tocophérol se transforme en radical tocophéryl, la forme oxydée de la vitamine E. Et cette forme oxydée de la vitamine E est hyper toxique et va à son tour agresser les lipides de la membrane cellulaire, ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas d'attaque des lipides de la membrane cellulaire, et en particulier d'oxydation des lipides, sans une oxydation préalable de la vitamine E. Comme la nature est bien faite, c'est la vitamine C qui, passant par là, puisqu'il n'y a pas de stockage de la vitamine C dans l'organisme, ou très peu, eh bien cet acide ascorbique, la vitamine C, va donner un électron au radical tocophéryl qui va donc se retransformer en tocophérol et de nouveau pouvoir protéger un lipide. Mais évidemment, l'acide ascorbique va perdre un électron et se transformer en radical libre à son tour, qui s'appelle le radical ascorbyle, qui est très toxique, qui à son tour va attaquer d'autres molécules. Mais comme la nature est bien faite, le système va s'arrêter enfin grâce à un antioxydant dont vous avez entendu un tout petit peu parler ce matin. Qui n'est plus une vitamine, qui n'est plus apportée par les aliments, mais qui est synthétisée par les cellules dès qu'elles sont agressées, qui s'appelle le glutathion, et qui va arrêter ce système en donnant un électron au radical ascorbyle pour régénérer la vitamine C.
On voyait que c'est une histoire de chaîne, à la fois une chaîne d'agression de plein d'électrons, mais aussi une chaîne bénéfique entre les antioxydants qui vont agir en fait ensemble pour pouvoir combattre cette lutte radicalaire. S'il n'y avait pas ça, on grillerait sur place uniquement parce que nous consommons de l'oxygène pour vivre. Alors toutes les substances nobles de l'organisme peuvent être touchées par les radicaux libres de l'oxygène. J'ai parlé des lipides longuement, hein, donc ici, alors, avec une oxydation de la vitamine E, puis une peroxydation lipidique, en fait, jusqu'à la destruction de la membrane cellulaire. Une fois que ces produits toxiques, en fait, dérivés de ces oxydations lipidiques, vont passer dans le plasma, ils vont oxyder à leur tour les lipides circulants. Les lipides circulants, c'est le cholestérol, en particulier le LDL et HDL cholestérol, malheureusement dit mauvais et bon cholestérol. Mais ce qui est important de savoir, c'est que à partir du moment où le mauvais cholestérol va être oxydé, ça s'appelle LDL oxydé, eh bien, c'est ce LDL oxydé qui va faire la plaque d'athérome dans la maladie athéromateuse. Il n'y a pas d'athérome, ni de maladie athéromateuse, ni d'infarctus, ni d'accident vasculaire cérébral sans une oxydation de LDL cholestérol. On ne fait pas des infarctus parce qu'on a du LDL élevé, mais parce qu'on a du LDL oxydé élevé. Le LDL oxydé, c'est le ciment de la plaque d'athérome. Ça, c'est publié depuis 2005. Et donc, évidemment, on devrait s'intéresser au stress oxydant des patients qui ont des risques cardiovasculaires en essayant de rétablir chez eux un taux de lipides non oxydés. Les protéines peuvent être oxydées. Toutes les protéines non seulement de soutien, comme les protéines de la peau, donc l'élastine, etc., mais aussi toutes les protéines qui sont des protéines en fait fonctionnelles, en particulier les enzymes, et toutes ces protéines peuvent être oxydées, et aussi l'ADN de nos noyaux cellulaires et l'ADN de nos mitochondries peuvent être oxydés. Ici, à la fin de ce système-là, on a les maladies cardiovasculaires, dont je viens de vous parler. Ici, on a les maladies métaboliques, enfin, non, essentiellement dégénératives, et en particulier chroniques inflammatoires. Et ici, on a le début de la cancérogénèse. Car les attaques radicalaires de l'ADN donnent des mutations et des cassures de brins d'ADN qui sont le début de la cancérogénèse. Tout ceci est publié depuis de nombreuses années. Donc, si on veut bien faire les choses, si on voulait vraiment faire une médecine préventive active, eh bien, on s'occuperait de protéger mieux nos lipides, nos protéines et notre ADN de l'oxydation pour éviter ces maladies. On en est encore loin. Alors bon, là, je vous le mets, cette palette assez classique. Ici, comme ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, tout à fait justement, on ne parle plus aujourd'hui, comme définition du stress oxydant, d'une disruption de la balance entre antioxydants et pro-oxydants. C'est une image maintenant qui est dépassée, qui est triviale. On parle maintenant d'une altération d'une fonction, qui est la fonction redox, et qui équilibre l'action des antioxydants vis-à-vis des attaques radicalaires. Mais il faut savoir que de nombreuses maladies peuvent entraîner un stress oxydant. Le tabagisme, bien sûr, puisque c'est plusieurs milliards de radicaux libres par bouffée de cigarette. Certains médicaments sont pro-oxydants. L'hypertension artérielle, l'obésité, le vieillissement, le stress psychosocial est un grand pourvoyeur de radicaux libres, le diabète, l'hypercholestérolémie. Et que tout ça va donner tout ça, et ça, c'est en fait une espèce de synthèse de ce que je viens de vous dire, les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, les cancers, les maladies inflammatoires et aussi les pathologies oculaires, dont la DMLA, qui est une maladie oxydative de la rétine. Voilà en gros les pathologies dans lesquelles on trouve un stress oxydant important. La DMLA, je viens d'en parler, le vitiligo, c'est la perte par plaque de la coloration de la peau, par mort du mélanocyte. On sait que le mélanocyte meurt de stress oxydant, mais on ne sait pas pourquoi ce stress oxydant existe dans cette maladie. Mais en tout cas, clairement, le vitiligo est une maladie oxydative de la peau. Et puis ensuite, les autres, évidemment, les autres pathologies dont je viens de citer qui sont ici. Alors, je vous l'ai dit déjà, le stress oxydant est un marqueur indépendant du risque cardiovasculaire, à tel point que les publications montrent que le taux de LDL oxydé est un marqueur indépendant du risque cardiovasculaire, au même titre
que l'obésité, l'hypertension artérielle ou l'hypercholestérolémie. Alors, nous avons énormément travaillé, ça c'est pour répondre à une question qui s'est posée tout à l'heure sur, mais voilà, si moi je pense avoir un stress oxydatif, qu'est-ce que je fais? En fait, ce qu'on fait, c'est on sait le faire aujourd'hui, d'abord on authentifie ce stress oxydatif. Et pour ça, nous avons énormément travaillé, en particulier quand j'étais à l'INSERM, à la Pitié Salpêtrière, sur les marqueurs biologiques du stress oxydant. Les laboratoires hospitaliers qui, pour des raisons de recherche, ont des plateaux techniques de stress oxydant, proposent une cinquantaine de marqueurs différents, mais ce sont des marqueurs qui sont très compliqués à faire. Ce n'est pas de la biologie de routine, donc les laboratoires de ville ne savent pas faire ces dosages, et en plus, ce sont des dosages coûteux et non remboursés par la sécurité sociale. Donc il était extrêmement important de faire le ménage dans tous ces marqueurs. Donc on a fait une étude considérable où on a vraiment mouliné des dizaines de milliers de données pour essayer de savoir quels étaient les marqueurs les plus pertinents et avec lesquels on pouvait vraiment faire quelque chose, avoir des démarches actives de correction des bilans. Et enfin, ça a été publié en 2009. Je vous ai mis la référence ici de la publication. Dans Redox Report, et en fait, les marqueurs pertinents, ils sont là, ils ne sont pas si nombreux que ça sur les 50. Donc on a retenu le rapport cuivre sur zinc, le taux d'étiole plasmatique sur des protéines particulières très oxydables, le rapport glutathion réduit sur glutathion oxydé, et les LDL oxydés ou MDA, c'est à peu près la même chose. Il faut savoir que pour faire un bilan de stress oxydant, les dosages des vitamines, oligo-éléments sont du domaine du bilan nutritionnel, mais ne donnent pas d'indication sur le niveau de stress oxydant des patients. Et les dosages du Q10, de la superoxyde dismutase, des peroxydases, des taux d'ANN oxydé n'ont pas non plus d'intérêt pour le diagnostic du stress oxydant. Ça, c'est ce que dit cette publication de 2009, qui est une publication princeps sur la biologie du stress oxydant. Alors c'est très important parce que ça ramène quand même en fait à 5 ou 6 marqueurs et ça permet pour n'importe quel individu de savoir si oui ou non il est en état de stress oxydant, de combien il est en état de stress oxydant sur une échelle de 0 à 10 et si ce stress oxydant est aigu ou chronique, s'il est ancien ou récent. Et surtout, ça permet ensuite de donner des protocoles thérapeutiques adaptés aux anomalies que l'on voit afin de les corriger. Et encore une fois, on corrige ces bilans dans plus de 90% des cas, quel que soit le contexte. Voilà. Ensuite, je vais essayer de vous faire comprendre très vite, j'ai bientôt terminé, ce que l'on pense aujourd'hui de ce que signifie le fait d'avoir un stress oxydant pour un patient. Alors, je vais vous détailler, parce que je ne pense pas que vous puissiez lire cette diapositive de là-bas, mais voilà, en gros, ici, il y a trois groupes. Il y a trois groupes de patients. C'est une étude qui a été faite sur 800 patients à peu près. Ici, vous avez des groupes de jeunes entre 0 et 40 ans. Ici, vous avez un groupe de jeunes entre 41 et 65 ans. Et ici, un autre groupe de jeunes supérieurs à 65 ans. Alors, ce n'est pas tous les mêmes jeunesses, mais en fait, on va dire qu'ils sont tous jeunes. Alors, vous voyez ces trois groupes très différents selon les âges. Et ici, vous avez le niveau de stress oxydant sur une échelle de 0 à 10. Et le premier, à chaque fois, dans chacun de ces clusters, vous avez ici une population de gens en très bonne santé qui sont en fait des témoins sains. Ici, ici et ici. Et ici, vous avez un deuxième groupe de patients avec des pathologies chroniques bien contrôlé par le traitement, hypertension artérielle, diabète, maladie thyroïdienne par exemple. Et ici, vous avez des patients avec des maladies graves, essentiellement maladies neurodégénératives, hépatite chronique agressive ou cancer. Et bien, vous voyez que quelle que soit la tranche d'âge, le stress oxydant ne monte pas avec l'âge. Vous voyez les témoins ici, ils ont tous à peu près le même niveau, et même ici, même pour les plus âgés, un peu moins, mais en revanche, monte avec le contexte de santé. C'est-à-dire plus le contexte est altéré par une maladie, et plus cette maladie est grave, et plus le stress oxydant est élevé. Donc le stress oxydant aujourd'hui, en fait, ça a été quand même une découverte importante il y a quelques années, montre en fait les phénotypes agressifs des maladies. C'est-à-dire que par exemple, il y a eu des publications qui ont montré que dans le cancer de la prostate, les cancers de la prostate avec un stress oxydant élevé sont d'un moins bon pronostic parce qu'ils sont plus agressifs que ceux qui n'ont pas de stress oxydant. Chez des patients autistes, on a fait une étude chez les patients autistes. On a comparé
des patients autistes selon leur niveau de stress oxydant. Les enfants autistes qui n'ont pas de stress oxydant sont les enfants qui récupèrent très vite au niveau de l'apprentissage et du relationnel. Et les enfants autistes qui ont des stress oxydants élevés, ce qui est assez classique dans la maladie de l'autisme, eh bien, ont une évolution beaucoup moins favorable. Et on pourrait prendre n'importe quelle pathologie et on a exactement la même chose. À chaque fois qu'il y a un stress oxydant élevé, la pathologie prend, disons, une allure plus péjorative. Et lorsqu'il n'y a pas de pathologie, lorsqu'il y a un stress oxydant plus ou moins élevé chez des patients qui n'ont pas encore de maladie, c'est un signe d'une altération de l'état de santé avant que la maladie n'apparaisse. Et c'est la raison pour laquelle, comme ces marqueurs s'allument bien avant les marqueurs classiques de la biologie courante, ça permet d'intervenir avant et de faire de la prévention active en corrigeant ces bilans. Alors après, la grande découverte, il y a quand même une vingtaine d'années, quand on a commencé à s'intéresser à ça, on ne savait pas qu'on pouvait corriger les bilans de stress oxydant. Et là, vous avez une cohorte de à peu près, pas à peu près, 53 patients. Et vous avez en bleu, en rouge, leur courbe de LDL oxydé avant intervention antioxydante. Vous voyez, ils ont tous des LDL au-dessus de la norme et parfois très élevés. Et ça, ce sont les mêmes patients 3 mois après une cure d'antioxydant. Et donc, on a découvert à cette époque-là que l'on pouvait corriger un des marqueurs fondamentaux du stress oxydant, qui est le taux de LDL oxydé. Et ça a été une énorme surprise, et c'est la raison pour laquelle, à l'époque, on a continué à s'intéresser à ça. Ensuite, les cliniciens, quand j'étais moi à la Pitié Salpêtrière, on avait d'un côté le professeur Grimaldi pour le diabète, et de l'autre côté, on avait professeur Bruiker pour les maladies cardiovasculaires. Et quand on leur disait, voilà ce qu'on a trouvé, et quand on sait que le taux de LDL oxydé est un marqueur indépendant du risque cardiovasculaire, est-ce que vous pensez que lorsque vous avez vu vous, un patient et que vous avez corrigé toutes ces anomalies, corrigé son hypertension, vous l'avez fait maigrir, il a repris le sport, vous avez fait baisser son taux de cholestérol, etc., etc. Moi, je viens et je vous dis, voilà, vous avez tout fait, mais malheureusement, moi, je fais un dosage de LDL oxydé et il est là. C'est-à-dire qu'il est à 5 fois la norme. Est-ce qu'on a tout fait pour lui? Et la réponse a été unanime. Elle a été, bah non, on n'a pas tout fait puisqu'il a un taux de LDL élevé. Je dis, mais pourquoi vous n'en parlez pas? Et pourquoi, à ce moment-là, vous ne faites rien pour faire baisser son taux de LDL? Bah, en fait, pour une raison simple, c'est que nous n'avons pas d'études qui ont montré qu'en baissant le taux de LDL oxydé, on améliorait l'avenir à 10 ans ou à 15 ans des patients. Ces études, nous ne les aurons jamais. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y aura jamais de payeur, parce que l'industrie pharmaceutique ne fait pas d'antioxydants, donc l'industrie pharmaceutique ne paiera jamais des études qui vont coûter des millions d'euros pour comparer 2 groupes, un groupe dont on corrige le LDL oxydé et l'autre dont on ne corrige pas le LDL oxydé pour savoir si les 20 ans qui vont venir pour ce patient vont être meilleurs sur le plan cardiovasculaire. Donc nous en sommes là, c'est la grande problématique aujourd'hui du stress oxydant. Alors il se trouve que de temps en temps, on fait des études cliniques quand même, et là, franchement, je pouvais pas, évidemment, ne pas vous montrer celle-ci. Elle a été faite donc au CHU de Montpellier, publiée en 2014 dans une maladie très particulière qui s'appelle myopathie facio-scapulo-humérale. C'est donc une myopathie, c'est une maladie génétique, orpheline, il n'y a pas de traitement, et ce sont des gens qui ont une fonte musculaire progressive de toute la moitié supérieure du corps, mais beaucoup d'entre eux finissent cependant en fauteuil roulant. Et donc cette étude, avec les bilans biologiques dont je vous ai parlé tout à l'heure de la publication de 2009, ont été pris en charge, on leur a fait un bilan de stress oxydant, et ensuite on sait que dans cette maladie, il y a un stress oxydant majeur qui est bien publié dans la référence bibliographique. On trouve tout ce qu'il faut sur la réalité d'un stress oxydant très particulier dans cette maladie. Et on a pris donc ce groupe de patients, on les a séparés en 2 groupes. Un groupe, ils ont tous eu un bilan de stress oxydant. Ensuite, le premier groupe a été traité avec des antioxydants pour corriger les anomalies biologiques du bilan. Et l'autre groupe a été mis sous placebo. Résultat de l'étude, les patients qui ont pris les antioxydants ont récupéré de la masse musculaire et de la force musculaire, contrairement au groupe placebo qui n'a rien récupéré. Ça a été un choc, cette histoire. Ce d'autant que les patients dont on avait le mieux amélioré les marqueurs biologiques du stress oxydant ont mieux récupéré sur le plan clinique de force musculaire. Voilà.
Donc, c'était une étude, malheureusement, qui a été faite que sur une vingtaine de patients, donc qui mérite d'autres. Je sais que d'autres études sont en cours, dont on n'a pas les résultats. Mais vous voyez, quand on fait une étude clinique en double aveugle, en corrigeant un groupe sur un bilan dûment avéré de stress oxydant, bilan biologique, eh bien, on a une amélioration clinique. Et ça, il y a une autre étude qui a été faite dans la maladie de Parkinson il y a longtemps, et où on a aussi montré que des antioxydants pouvaient améliorer cliniquement les parkinsoniens. Il y a eu une autre étude dans une maladie qui s'appelle l'ataxie de Friedreich, qui est une maladie génétique aussi chez l'enfant, et qui a montré que, de la même façon qu'en corrigeant le stress oxydant, on corrigeait les anomalies cardiovasculaires de ces patients jeunes. Et aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé préconise dans cette maladie, l'ataxie de Friedreich, des antioxydants, en particulier du Q10, qui est le seul traitement de cette maladie, pourtant terrible, et qui donne des grands handicapés sur le plan cardiovasculaire et cérébral, et adolescent, et pour lesquels il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Donc, vous voyez que les choses bougent petit à petit, mais on est encore loin du compte. Enfin, je terminerai, on a parlé tout à l'heure du Covid. Quand en mars et en avril 2020, lorsque j'ai vu les premiers scanners pulmonaires des patients Covid hospitalisés, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais dans les comptes rendus des radiologues, on parlait d'images en verre dépoli. Et c'est un truc assez spécifique. Et ça, moi, ça m'a rappelé très vite, spontanément, des images dans une autre maladie qu'on avait vue dans les années 90 à la Pitié-Salpêtrière, dans une maladie orpheline qu'on appelle les fibroses postradiques. Ce sont des gens qui développent des fibroses, en particulier pulmonaires, à suite d'une irradiation massive de l'organisme, en particulier pour des greffes de moelle, par exemple. Et certains de ces patients font. En fait, il n'y a pas mieux que les radiations ionisantes, et d'ailleurs, c'est le principe même des radiothérapies anticancéreuses, pour tuer les cellules par oxydation. C'est comme ça que ça marche. Et donc, ces gens-là, évidemment, étaient irradiés corps entier pour tuer toutes les cellules de leur moelle, pour les mettre en aplasie médullaire, pour pouvoir faire une greffe de moelle. Eh bien, ces patients-là, pour certains, développaient des bursts oxydatifs majeurs avec une mort cellulaire pulmonaire extrêmement importante et le tissu pulmonaire nécrosé se transformait en fibrose pulmonaire. Et ces fibroses pulmonaires étaient évolutives et conduisaient parfois au décès. Eh bien, à cette époque-là, avec le professeur Bayet à la Pitié-Salpêtrière, on a commencé à traiter ces patients qui faisaient des fibroses pulmonaires avec un antioxydant majeur qui s'appelle la superoxyde dismutase, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui à l'époque existait d'origine bovine. Elle était donc injectable. Et avec ce produit injectable d'origine bovine, on a sauvé des patients qui faisaient des fibroses pulmonaires évolutives. Malheureusement, en 1993 ou 1994, émergence du prion de la maladie de la vache folle, et le ministère de la Santé a supprimé ce produit qui n'a jamais été remplacé. Et donc, on n'a plus de traitement pour ces fibroses postradiques. Et simplement, les images en verre dépoli, c'était celles que l'on voyait sur les scanners de ces patients-là à la Pitié-Salpêtrière à l'époque. Et à ce moment-là, je suis tout de suite, j'ai eu une espèce d'éclair en me disant, donc les patients en réanimation qui font des histoires d'infection respiratoire, mais aussi de défaillance respiratoire aiguë, dont beaucoup mouraient à ce moment-là, doivent avoir en fait un burst oxydatif pulmonaire du fait de la maladie et de l'orage cytokinique qui s'accompagne d'un orage en fait radicalaire. Et j'ai appelé le professeur Didier Bornery, qui est toujours le patron de la biologie à l'hôpital Cochin et qui a comme particularité d'avoir un plateau technique stress oxydant à Cochin. Et donc, je lui ai dit, mais je lui ai raconté l'histoire. Il me dit, mais bien sûr, mais non seulement je pense que tu as raison, mais on va faire une étude et on va inclure des patients donc avec des fibroses pulmonaires et on va leur faire des bilans de stress oxydatif. On a fait donc cette étude, on l'a publiée l'année dernière. Et en fait, je vais vous juste montrer une chose un peu compliquée, mais une diapo que vous allez comprendre tout de suite. Ici, vous avez justement un des grands marqueurs des bilans de stress oxydant dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le taux des protéines thiol. Les protéines thiol sont les protéines soufrées qui sont les premières à trinquer lorsqu'il y a un stress oxydatif. Et lorsqu'elles s'oxydent, elles disparaissent du dosage. Et la chute des thiols est un marqueur fondamental
de stress oxydant chez un patient. Et ici, vous avez le stade de sévérité du Covid-19, 0, 1, 2, 3. Et plus la baisse des tirs est importante et plus le patient est dans un état grave. Et en fait, cette publication a montré que le taux de protéine thiol, la chute du taux de protéine thiol prédisait le passage en réa et avec l'interleukine 6, la mort Covid chez les patients Covid graves. Donc le stress oxydant a joué un rôle absolument majeur dans cette maladie, ce d'autant que la plupart des patients qui rentraient à l'hôpital les formes graves étaient tous des gens qui avaient déjà un niveau de stress oxydant plus ou moins élevé parce qu'ils avaient tous des comorbidités importantes et en particulier métaboliques, c'est-à-dire hypertension, diabète, etc. Donc ils avaient déjà... Bon. Et si on avait vraiment une médecine préventive qui permettrait de corriger systématiquement les bilans de stress oxydant des patients sains, peut-être qu'on n'aurait même pas parlé du Covid, parce qu'on aurait protégé. Et j'en ai pour preuve une autre étude, pour revenir au vétérinaire, vous voyez comme quoi les interrelations entre les différentes disciplines sont extrêmement importantes. On avait fait une étude avec l'INRA sur des porcelets. On avait créé un burst oxydatif chez des porcelets en leur inoculant une bactérie respiratoire. Donc, ils avaient tous fait une pneumonie aiguë. Et donc, en même temps que la pneumonie aiguë, un pic de stress oxydatif. Ensuite, on les a séparés en deux lots. Un lot, on leur a tous fait des bilans de stress oxydant tels que ceux que je vous ai montrés, avec les protéines thiol, etc., etc. Et ensuite, une fois qu'on les a séparés en deux groupes, le premier groupe... On a traité que la pneumonie avec les antibiotiques. Et le deuxième groupe, on a traité la pneumonie et le stress oxydant avec des antioxydants. Et le premier groupe a fait des... Et ensuite, pardon, une fois qu'on a fait ça, on aura inoculé H1N1, donc une grippe. Donc ils ont tous fait une grippe, mais les porcelets dont on avait traité que la pneumonie avec les antibiotiques ont fait des grippes graves, voire mortelles. Et les autres, dont on avait corrigé le stress oxydant au préalable, avant d'inoculer H1N1, ont fait des grippes banales. Et à cette époque-là, quand je faisais une conférence, je disais, vous voyez, si jamais une épidémie virale nous tombe dessus un jour, bah les patients qui auront un bilan normal feront des virus banales. Les bilans qui auront un bilan très perturbé feront des formes graves de cette virose. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid. Donc, vous voyez... Comme quoi, on apprend beaucoup aussi dans cette interdisciplinarité, quand on s'intéresse à un phénomène qui concerne toute la vie, c'est-à-dire la toxicité de l'oxygène. Voilà, j'en ai terminé. Je vous donne deux adresses, si ça vous intéresse, et si vous voulez vous documenter sur, en particulier, la biologie du stress oxydant et sur le stress oxydant, le site de juvenalis.com. Le bilan de stress oxydant dont je parle, qui est maintenant accessible à tout le monde, sur toute la France, s'appelle OxyCheck. Et vous avez la liste des laboratoires sur ce site. Et puis ensuite, c'est mon mail personnel. Si vous aviez envie, pour une autre, de me contacter et d'avoir des renseignements supplémentaires. Je vous remercie pour votre attention. Un grand merci. Il y a peut-être des questions. On va prendre encore quelques... On prend le temps. Oui, pardon. Non, alors vous savez, donc, on s'efforce de former des médecins à l'interprétation des bilans et à la prise en charge des patients. Ce sont des soirées où on a en gros une dizaine de médecins en face de soi, donc on est loin d'avoir fait le tour de la question. Il y a très peu de médecins qui soient vraiment capables d'interpréter les bilans et de donner des protocoles thérapeutiques en fonction des anomalies que l'on voit. Pour le moment, mais de façon assez confidentielle, j'assiste les médecins qui le souhaitent. C'est-à-dire, je leur demande de m'envoyer le bilan de leurs patients et je leur fais un commentaire
et je les aide, surtout ceux qui me connaissent, quoi, en fait, voilà. Mais c'est assez encore confidentiel. Mais il n'y a pas vraiment de spécialistes. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de bilans de stress oxydant qui sont proposés dans la biologie privée et qui ne sont pas des bilans de stress oxydant. Et on voit des gens revenir avec des factures de 700, 1000 euros, parfois plus, pour des marqueurs qui ne servent strictement à rien et qui ne sont pas remboursés par la Sécu. Donc, il faut faire très attention parce qu'on a trop travaillé, nous, à la Pitié, à l'INSERM, sur la biologie pour savoir qu'il faut être très prudent avec des labos qui se disent plus ou moins spécialistes du stress oxydant et qui proposent des dosages de superoxyde dismutase, d'ADN oxydé, et qui ne sont pas valables, ou des mesures de capacité antioxydante totale du plasma ou autre. Mais ça, on est à la limite du charlatanisme. Voilà, je ne peux pas répondre autrement. Voilà. Oui ? Alors, ils sont en vente libre. Il n'y a pas besoin d'ordonnance. Hein. Vous avez tout sur Internet, tout et n'importe quoi. Il faut aussi être très, très prudent avec ce qui se fait, parce qu'il y a beaucoup de marketing dans cette histoire. Et souvent, en plus, si vous voulez, il faut vraiment savoir lire les compositions. C'est souvent des produits multiples, hein, des complexes, et dont le laboratoire va vanter, par exemple, une qualité, soit, je sais pas, pour la peau, pour les cheveux, ou pour je sais pas quoi, moi, enfin bref, pour l'immunité. Mais ça, il faut faire très attention. Non, alors, si vous voulez, il y a une grande différence entre les antioxydants que vous allez trouver dans la nourriture qui ne posent pas de problème, parce que la nature, ça fait plusieurs milliards d'années qu'elle s'est dotée de tous ces trucs-là pour pouvoir se défendre contre les toxiques de l'environnement, contre les UV, contre, enfin bref, les plantes en premier. C'est la raison pour laquelle il faut se nourrir de plantes et de végétaux, etc. Parce qu'eux, ils ont complexé, en fait, des antioxydants entre eux. Et c'est une grande différence entre... On n'a aucun problème avec ça, avec les antioxydants qu'on trouve. Vous pouvez manger... Bon, c'est pas la peine d'aller manger un kilo de tomate par jour parce qu'il y a de lycopène dans la tomate. Vous voyez, il faut quand même varier. Mais il n'empêche que les apports avec la nourriture d'antioxydants ne posent pas de problème. Le problème, c'est dans les comprimés et les gélules. Parce que là, vous avez des principes actifs seuls, à des doses souvent élevées. Le sélénium, par exemple, à 75 microgrammes. Si vous avez un taux de sélénémie normal et vous boulottez pendant un mois du sélénium, vous êtes sûr de vous oxyder, à tous les coups. Parce qu'à ces doses-là, quand vous avez un taux de sélénium normal, si vous prenez du sélénium pendant un mois, vous allez passer les normes supérieures du labo pour la sélénémie, et à ces taux-là, le sélénium est pro-oxydant, parce que c'est le cofacteur d'enzymes pro-oxydantes. Et donc ça devient pro-oxydant. Pratiquement tous les antioxydants, à certaines doses ou à certains moments, deviennent des pro-oxydants. Non. Bon, en plus, la vitamine C, c'est pratiquement le seul antioxydant, entre guillemets, qui ne pose pas de problème, si vous voulez, parce que il faut des doses absolument massives pour que la vitamine C devienne pro-oxydante. Pour avoir des doses massives de vitamine C dans le sang, il faut pratiquement prendre la vitamine C en injectable. Parce que le transfert digestif de la vitamine C par l'intestin, donc sa biodisponibilité pour le passage dans le sang, est contrôlée. Bon, donc, si plus vous en avalez, moins il en passe dans le plasma, dans le sang. Donc, on est assez tranquille. Mais en revanche, si on en prend par voie veineuse, on court-circuite le tube digestif, et à ce moment-là, on peut avoir des taux plasmatiques très élevés, 10 fois, 15 fois, 20 fois la norme. À ces doses-là, la vitamine C est une chimiothérapie anticancéreuse, c'est-à-dire qu'elle tue les cellules par oxydation. Entre autres en produisant le H2O2 dont je vous ai parlé tout à l'heure, le peroxyde d'hydrogène. Vous voyez ? Mais donc, il faut des doses considérables. Mais au niveau de l'alimentation, non, enfin, il n'y a pas de souci. Oui ? Non, enfin, surtout là, des animaux, je parlais. Hein. Oui, mais nous sommes. Alors, chez l'homme,
Il y a un stress oxydant, donc effectivement, dans le dernier mois de la gestation, enfin de la grossesse. Il y a un stress oxydant physiologique qu'il faut préserver, auquel il ne faut pas toucher, au moment des maladies infectieuses et au début des cancers, et tout simplement parce que, en fait, nos cellules de défense bombardent les germes intrus et les cellules cancéreuses à leur départ par des petites bombes radicalaires, des peroxysomes dans le cytoplasme de la cellule, bourrées de radicaux libres, et ces cellules s'en servent pour tuer les germes intrus et pour tuer les cellules cancéreuses au tout début de la cancérogénèse. Donc dans ces périodes-là, il ne faut pas prendre des antioxydants. Et même certains antibiotiques, comme les quinolones par exemple, comme mécanisme d'action, d'augmenter la concentration des radicaux libres dans la bactérie. Et ça la tue. Oui. Donc ce sont vraiment des périodes où il ne faut pas prendre d'antioxydants. Enfin, le dernier cas, il y a deux autres cas, c'est les traitements anticancéreux, parce que la plupart des traitements anticancéreux ont un mode d'action par oxydation. J'ai parlé des radiothérapies tout à l'heure, mais beaucoup de chimiothérapies agissent aussi en tuant les cellules par oxydation. Donc ce n'est pas logique de prendre le seul antioxydant qu'on pourrait prendre, parce qu'il y a eu des études là-dessus, c'est le curcuma, qui a priori pas de problème, qui protège les cellules saines sans protéger les cellules malades. Tous les autres antioxydants peuvent diminuer l'efficacité des chimiothérapies et évidemment des radiothérapies. Et enfin, le dernier moment où il faut vraiment préserver un état oxydatif de l'organisme, très peu connu, sont les toutes premières semaines de la grossesse. Parce qu'au tout début de la grossesse, vous allez avoir une prolifération cellulaire absolument phénoménale, puisque vous allez partir d'une cellule, c'est-à-dire la réunion d'un ovocyte avec un spermatozoïde, en tout cas le matériel génétique d'un spermatozoïde. Cette première cellule va donner à terme un petit être vivant avec 14 milliards de cellules. Cette prolifération cellulaire phénoménale se fait à raison de 1000 réactions chimiques par seconde. Par seconde. Dans un ordre parfait, sans erreur, ce qui est un miracle. C'est-à-dire chaque naissance d'un enfant est un miracle sur un plan mathématique. Et cette prolifération cellulaire est tellement importante qu'il y a systématiquement, à un moment donné, une apoptose cellulaire régulée de manière à enlever les tissus surnuméraires, de manière à ce que les enfants ne naissent pas, par exemple, avec des doigts palmés. Cette sculpture des organes se fait par des radicaux libres au tout premier instant de développement embryonnaire. Pour vous citer un exemple, au septième jour, 99% des cellules qui colonisent le futur thymus, qui va donner les cellules immunitaires, 99% de ces cellules disparaissent par apoptose programmée pour ne laisser qu'un pour cent qui vont donner, ce pour cent va donner les cellules finales lymphocytaires de l'immunité. Vous voyez ? Donc, au tout moment, il faut vraiment, tout le moment de la grossesse, les premières semaines, d'ailleurs, c'est assez classique dans les premières semaines de la grossesse, de donner le moins de choses possible aux femmes enceintes. La nature fait très bien les choses. Mais en particulier, les antioxydants sont proscrits au tout début de la grossesse, à part les folates pour les histoires de tumeurs neuronales. Mais sinon, il faut vraiment être prudent avec les antioxydants dans les premières semaines, parce que les radicaux libres, en fait, sont les effecteurs de l'apoptose cellulaire programmée qui permet de supprimer un certain nombre de cellules surnuméraires au cours de cette prolifération cellulaire absolument phénoménale. J'ai répondu à votre question ? Oui. 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 Oui, tout à fait. C'est-à-dire, en prévention du cancer, les antioxydants ont leur place. Ça a été largement publié, ça, si vous voulez. Mais encore faut-il, dans ces cas-là, quand même, le faire avec quand même un rationnel biologique, c'est quand même beaucoup mieux. Mais en revanche, à partir du moment où le cancer est là, pendant un certain temps, l'organisme va se mettre en situation, en milieu oxydatif, si vous voulez, de manière à pouvoir, avec les radicaux libres dont disposent les cellules immunitaires, en fait, bombarder la tumeur naissante. Et ensuite, après, il faut laisser les traitements agir. Or, les traitements, malheureusement, ça, petit à petit, ça va disparaître, parce qu'on est en train, petit à petit, de développer des thérapeutiques qui vont reléguer la chimiothérapie
vraiment comme des traitements complètement obsolètes, hein, de plus en plus, hein, vous voyez l'évolution. Donc bientôt, on ne fera plus de chimiothérapie, tant mieux d'ailleurs, parce que en fait, la toxicité de ces molécules est telle que c'est un frein même à leur utilisation dans certains cancers agressifs. On aimerait pouvoir donner des doses plus importantes, on aimerait donner des cures plus longues, mais on ne peut pas, parce que malheureusement, ces thérapeutiques ne font pas la différence entre les cellules qu'il faut supprimer et les cellules qu'il faut protéger. Et donc, il y a des effets secondaires terribles, enfin, vous le savez. Oui ? Ah, c'est peut-être la dernière question, parce que... Non, moi, si je veux me permettre, on a le parallèle avec les plantes, je suis passé rapidement tout à l'heure. Mais dans la logique, on a vu en conventionnel, on a des pratiques oxydantes, et puis la plante tombe malade, et son mode de lutte, ça va être de tuer par suroxydation, comme pour le cancer. Et si on intervient avec des antioxydants, quand la plante est déjà attaquée, ben on l'empêche de faire son mode de lutte naturel. Donc il faut bien comprendre cette carte des mondes redox, là, comme on l'appelle, ça permet de comprendre, de ne pas faire des choses antagonistes et puis de les faire au bon moment. C'est-à-dire qu'on essaye de maintenir en réduction. Si on n'y arrive pas, que la plante tombe malade, eh ben on la laisse faire son mode de lutte classique par suroxydation. On l'accompagne éventuellement là-dedans. La plupart des pesticides conventionnels sont comme ça. Et puis derrière, une fois qu'elle s'est soignée, on l'aide à revenir rapidement. Mais ça, c'est fondamental. On a plein de parallèles en fait dans la journée avec les animaux, les plantes, les sols. C'est ça qui est passionnant. Et bah, peut-être du coup, bah, on va laisser à Jean-Pierre. Non, il y a une question au fond, mais elle est intéressante ou pas ? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du jeune, pas celui qui est à côté de vous ? Alors, le jeûne thérapeutique, on entend, hein, et en particulier le jeûne thérapeutique intermittent. Bon, alors, si vous voulez, on a pas mal de publications, pas forcément françaises, mais Allemagne, en Autriche ou américaine, qui montrent que le jeûne thérapeutique, en prévention d'une chimiothérapie, par exemple, ou au début de la chimiothérapie, est bénéfique et améliore considérablement à la fois la tolérance de la chimio et à la fois l'efficacité de la chimio. De toute façon, franchement, lorsque les gens ont des chimiothérapies agressives, ils ne mangent plus beaucoup. Hein. Voilà. En dehors de ça, en termes de prévention, lorsque c'est fait dans un contexte médicalisé, il y a des établissements qui le font, dans un contexte médicalisé, avec un soutien médical, ce ne sont pas des jeunes d'ailleurs complets, c'est-à-dire que par exemple, on vous sert quand même des rations de préparation liquide, avec entre autres des antioxydants, etc. Et là, il y a eu des publications, ça améliore globalement tous les paramètres métaboliques. En gros, hein, quand on fait 3 semaines ou 15 jours de ce type de régime, ça améliore la glycémie, le bilan lipidique, la tension artérielle, enfin, bon, évidemment, le poids aussi, évidemment. Lorsque c'est fait dans ce cadre-là, j'avoue que la médecine française est peut-être un peu en retard sur cela, puisque, comme vous le savez, c'est quand même assez débattu dans le milieu médical. Après, les autres techniques, moi, je ne peux pas en dire grand-chose. Moi, je vous parle des publications que j'ai lues, que je connais sur le sujet. Voilà, ce qui est plus intéressant, c'est de garder des périodes longues dans la journée, peut-être de jeûne, entre 10 et 15 heures, par exemple. Bon, ben, en tout cas, merci à tous les intervenants. Je vais laisser la lourde tâche